بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يرفعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله ملأ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وعظمت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فنكمل قراءة كتابنا العزيز الشريف نور اليقين في سيرة سيد المرسلين بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا وكنا قد وصلنا إلى باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. Avec la permission d'Allah Azza wa Jal, nous continuons ce soir la lecture de notre livre cher et béni, Nour al-Yaqin, la lumière de la certitude, concernant la biographie du maître des envoyés, donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son auteur Muhammad ibn Rafifi al-Khudari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est décédé à la fin du 19e siècle de notre ère, vers les années 1870 et quelques. Non. En ce qui concerne le chapitre actuel, eh bien, nous étions arrivés à la généalogie bénie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son ascendance, son nasab. Nous allons, incha'Allah ta'ala, avant de commencer la lecture, reprendre certains points en guise de révision, ceux qu'on avait vus la fois passée. Nous avions simplement, en guise d'introduction, donné une biographie brève de l'auteur, puis sans plus attendre, nous avions commencé la lecture de son introduction, l'introduction de l'auteur de ce livre. Il nous a parlé de certains points, notamment quel est l'état de la communauté à son époque en ce qui concerne le soin et at-tahri, la recherche et l'effort en ce qui concerne la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, et d'une autre part aussi, quel est l'état de la communauté en ce qui concerne les ouvrages disponibles pour justement les plus débutants et les personnes les moins informées, à savoir les personnes qui font partie généralement des gens de la masse ou celles qui n'ont que peu d'éléments de religion, mais qui veulent simplement en savoir un peu plus sur leur prophète béni, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions donné quelques exemples d'intérêts ou de sujets qui pourraient nous toucher, quand je dis nous, à savoir les gens de la masse, à savoir des personnes qui ne sont pas des savants qui peuvent émettre des fatawas ou qui sont de l'ordre de personnes qui vont tirer la Ummah vers le haut parce qu'eux sont des mujtahidines, à savoir des personnes qui peuvent extraire des jugements à partir des textes, mais ce sont plutôt des muqallidines ou bien des gens de la masse. D'accord ? Donc, je vais juste revenir sur ces termes techniques dans un instant. Je termine juste cette parabole et cette révision. L'auteur avait donc parlé de l'état des gens à l'époque. Il parlait à son époque. Les gens, ne serait-ce que ceux qui veulent quelques bribes concernant la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se voyaient quelque peu démunis. Et lui, l'effort de cet homme-là, Muhammad ibn Rafifi, l'auteur de ce livre, a été, entre autres, justement, de puiser dans l'élan qu'il avait depuis petit, l'amour qu'il avait depuis petit en ce qui concerne la connaissance des hommes, des grands hommes, et à plus forte raison, sa connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il put acquérir lorsqu'il grandit, et entre les mains de son père notamment. Donc il s'est inspiré de certaines sources. Bien sûr, il s'est appuyé sur le Qur'an ou la Sunna. En principe, c'est des choses qui sont évidentes. Lorsque nous lisons un livre de religion, eh bien, nous estimons que, bien sûr, ils sont bâtis sur le livre et la Sunna, donc sur le Coran et sur la Sunna, la tradition du prophète qui est authentifiée, sallallahu alayhi wa sallam, ou sinon, qui est globalement authentifiée, donc qui est acceptable. Mais l'auteur a aussi précisé certains ouvrages dont il s'est inspiré et sur lesquels il s'est appuyé, parmi lesquels, par exemple, Kitab Al-Shifa de Qadi Iyadh ou encore Ihya Ulum al-Din de Al-Imam al-Ghazali, qu'Allah leur fasse miséricorde. Non.